Jai Jagat is a Hindi word, and it means victory for all, victory for the planet. You know, Gandhi said there is enough for everyone's need and not enough for anybody's greed. So this is a greed-need battle, and one need to revisit this model and try to see how a need-based model of development can be established so that everybody can live in peace. L'idée, c'était que nos élèves fassent des portraits vidéo des métiers de demain et que ces portraits vidéo puissent alimenter tous les élèves qui participeront à la marche, dans la préparation de la marche. On se dit, ben voilà, une économie non violente, c'est possible, une économie résiliente, c'est possible, elle est déjà en œuvre et regardez-la quoi. Grâce aux portraits que les élèves ont mis en place et que ça motive les jeunes aussi qui se disent, ben tiens, ben, au fait, c'est possible de changer le monde, faut juste y aller quoi. रंग भेद छोड़ दो जाति पाति तोड़ दो धर्म भेद छोड़ दो जाति पाति तोड़ दो मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो जय जगत जय जगत जय जगत उठार जा जय जगत जय जगत जय जगत उठार जा Je m'occupe un peu du pôle maraîchage du projet qui a plusieurs aspects. Et donc on travaille ici, on cultive des légumes. J'ai lancé l'idée en 2016 avec un ami d'enfance, Quentin Labrique. Moi c'est Julien d'Aurore. Certains psychologues cliniciens étudient l'interculturel. Moi j'ai d'abord travaillé sur les cultures et j'y ai ajouté la psychologie. C'était plus trop ça, ça se passait plus hyper bien, que l'épanouissement n'était pas là, et je me suis dit qu'on passe tellement de temps à travailler que c'est vraiment important d'être épanoui dans son travail. Je suis fondatrice de Step Change et je coach toute personne en transition et développement de carrière. La petite école a ouvert ses portes il y a 3 ans sur l'initiative de 2 enseignantes qui ont accueilli les enfants réfugiés au parc de la Roseraie. Ce qui est important pour moi, c'est de chérir l'instant, de prendre soin de ce qui se découvre et de le célébrer. Poupée de choc est ce que l'on appelle une jeune retraitée encore active. Chaque jour, elle se dévoue à son association dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes. J'apprends énormément sur des mondes que moi je ne connaissais pas. Et puis je sens que j'aide les gens, donc ça c'est un gros avantage quand même. Alors je suis Constance, je suis journaliste scientifique à la base et reporter d'images. Et je me lance dans du journalisme dit constructif. Moi j'ai vraiment voulu me positionner comme spécialiste du travail relationnel. Donc on va plutôt favoriser ce qu'on appelle le travail au sol. Donc on est à côté du cheval ou du poney. Et on a commencé par les légumes. L'objectif est de faire beaucoup de fruits. Et on va aussi ajouter pas mal de poulets avec des chicken tractors. Donc c'est des poulaillers mobiles. À chaque nouveau projet, ces nouveaux problèmes. C'est là que Benoît intervient pour conseiller et guider. Le boulot, il est motivant de par sa diversité et en plus, de par l'encadrement que je donne aux chercheurs et aux étudiants. J'irai brasser chez vous. J'habite ici dans la commune de Genappe et vous êtes ici dans mon atelier de transformation. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert grâce à une émission télévisée. Un certain nombre d'acteurs avec lesquels on parle, à un moment ou à un autre, poseront la question de savoir combien tout cela coûte. Comment je fais pour convaincre une autorité, une entreprise, un pouvoir politique, un citoyen? Trouver une façon de faire l'école qui permet à ce que chaque jeune développe pleinement son potentiel, soit heureux d'aller à l'école et puisse vraiment trouver sa juste place dans la société. Et donc ce sol qui est vivant, ça veut dire qu'il grouille de micro-organismes et d'êtres vivants qui vont eux-mêmes aller rendre disponibles les nutriments dans les plantes qui vont pousser dans ce sol. Hello, je m'appelle Léopold Capiters, j'ai 24 ans et je suis le cofondateur de HelloSun. Ce qui me passionne le plus, c'est de permettre d'accompagner des personnes pour qu'elles puissent changer quand elles ont envie de changer sur le plan psychique et devenir les personnes qu'elles ont vraiment envie de devenir. Véronique casse les codes de la thérapie classique. Elle insiste sur le processus de création.
au travers de dessins, collages, de peintures. C'est ce qui émerge qui fera l'objet d'une analyse psychologique. Silence is not going to help us. Violence also not going to help us. But who is preventing us from acting non-violently to change the situation? Je me dis, il est temps maintenant que l'école aussi se transforme de l'intérieur et puisse faire participer les élèves de manière très concrète à des projets de résilience et de transition écologique forts. On les envoie tous en maraîchage cette année, enfin une bonne partie, 3 jours. Les maraîchers nous ont dit, mais en fait, ça nous aide parce que c'est gratuit. C'est 3 gaillards qui nous aident pendant 3 jours. En fait, ça nous aide vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, l'école va devoir se réinventer, je pense, et devoir créer des collaborations avec des gens qui ont des projets de transition écologique, qui ont besoin de main-d'œuvre, en fait, pour être soit rentable, soit pour avoir un vrai impact. Et les élèves, ils ont du mal à être ainsi. Ça se voit de plus en plus. Quoi. Je pense qu'il est vraiment temps de les reconnecter à la réalité. Sabke hit ke vaaste apna sukh bisare ja.